Oui, bonjour. Novi 19, 111. La coïncidence de la synchronicité. Jusqu'en 2016. C'était Stéphanie qui m'avait fait page 3, et là, elle a fait Stéphanie à Lolo Bélix, un hystérix. Alors là, la vision, c'est un truc de fou. On était dans un train, mais il y était étanche parce qu'il passait sous l'eau, on ne pouvait pas sortir. Il y avait une sécurité qui était prévue pour qu'on puisse sortir juste avant la gare, à Gare du Nord. Alors il y a plein d'arrêts, mais c'était ça, c'était le train, il passe. Mais il s'arrête pas. Ne te lasse pas, laisse, chevalier. T'es pas très nombreux. Le train est mesuré toute la nuit, je ne sais pas, il mesurait. C'est compliqué à transcrire une vision, un rêve. Il faudra dire à Cabrel que toujours des rêves, pourtant toujours des rêves. Prendre ma place dans le trafic. Ouais, non, il me l'avait pris dans le transit, il m'avait tout volé aussi. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans le spatio-temporel? Ben, j'ai l'impression que je suis réalisateur de mon film, de ma vie. Puis j'ai des visions. Pour l'instant, il ne me faut pas de piqûres, ça va, je suis cool. Pas de soirées extraordinaires. Des moments miraculeux. Tabasse trop, hein. Qu'il était possible d'impressionner le pouvoir politique et d'obtenir des concessions. Autre que des concessions, c'est l'arc quaternaire, hein, je vous signale. Même si... Je suis venu vous dire que je vous aimais bien. Bon, ça va aller au cacasse clan.